Mamie, vous avez appris la mauvaise nouvelle. Yish, le concours du jour, sinon, c'est trop tristement ça. Ouais, notre artiste ténor a fait un accident. Hé, hey, sa voiture a brûlé comme la maison en carabote. Yush, heureusement pour nous, il est en santé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas de Erika, qui était à bord de ce véhicule. Mamie, est-ce que le père d'Erika avait alors laissé? Et on dit que non, que c'est un bamoun. Le gars veut faire les rites pour savoir si on a vendu sa fille ou pas. Et il dit que ténor va sauf que la doter. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la réaction de Eunice Zenon, l'argot ivoirien qui s'affichait avec notre frère là. En tout cas, commençons avec les acteurs du jour. Ténor, artiste camerounais ayant géré plusieurs dossiers jusqu'à traverser les frontières. Ah! Erika, femme de Ténor qui est rentrée avec lui après le concert. Papa d'Erika, l'homme qui demandait la dot pour une personne décédée. Oh! Hey! Eunice Zenon, l'ex de Ténor. Mamie! Bon, les gars, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Tout se passe en ce jour du 15 juillet où une voiture a été aperçue en flammes. Et directement, les habitants de cette ville ont tout fait pour secourir les victimes qui s'y trouvaient, parmi lesquelles Ténor, Erika, l'ami de Ténor et le chauffeur. Voici un extrait de la vidéo. Comme t'as tout le temps de vous dire de tuer ce nombre de trois, quand on a vu la scène se passer, bon, on a essayé de chercher à la sauver d'abord, parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout, avant de regarder les matériels et qu'on sort. Ma part a sorti le chauffeur, il a fait sortir le banflan, et là en question après, elle aussi a essayé de lui faire sortir, elle est assise derrière, mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, il banflait le chauffeur, mais Dieu merci. Et ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les bois, la Quintini, tirés de la Quintini. Et le chauffeur est quoi? Le chauffeur, lui, là, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Ténor, il a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok. Allez, bon, là, voilà la voiture de Ténor qui a eu un choc au carrefour Bessenguet tout à l'heure, là. Donc, effectivement, c'est une Mercedes. Donc, ça a brûlé complètement. Toute la Mercedes a brûlé complètement. Donc, voilà. Voilà. On ne connaissait rien de la situation. Quand vers 12h, on reçoit un post sur la page de Ténor qui dit, je cite, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l'artiste Ténor a été victime d'un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d'un chauffeur, un ami, et il prenait le soin de raccompagner certains fans après une séance photo. Puis quelques minutes après, ce post a été supprimé. Et on apprend par la suite que c'est le manager de Ténor qui a fait cette publication. Ce que plusieurs ont trouvé déplacé. Genre, la victime est à l'hôpital et il n'a même pas donné son accord pour que son état soit divulgué. Maman, ce n'est pas fini. Il y a les voix des copines de Erika, celle qui a été retrouvée morte, qui ont fuité sur WhatsApp. Maman, écoutez-vous-même, yish! Laissez son gars. Elle dit à sa copine que prends soin de mon gars. Je pars avec Ténor dans la voiture. Voilà donc Ténor. Ils ont fait l'accident. Elle est morte. La fille avec qui il était. Parce que quand on vous parle, c'est que non, vous maîtrisez. Tu partais faire quoi avec Ténor? Elle partait donner les fesses à Ténor. Voilà ça maintenant qu'elle est morte. Voilà ça maintenant qu'elle est morte. Mince! On dit qu'on a les copines ici dehors. Regardez ce qu'une amie dit par rapport à sa copine décédée. Mieux elle fermait sa bouche. C'est quelle méchanceté ça, yosh! Maman, imaginez sa famille qui va tomber sur les voix ici. Hey! J'ai trouvé ça tellement déplacé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maman, on a les amis ici dehors. Venons au père de Erika. Le pâté si. Il dit qu'il ne veut rien comprendre, que Ténor va doter sa fille décédée. Mince, ça montre à quel point ce pâté veut seulement les dos, mon frère. Depuis quand on dote un cadavre? Et il dit qu'il va faire les rites et tout. S'il veut faire les rites, il n'a qu'à faire. Mais pas jusqu'à dire qu'on doit doter sa fille morte, en tout cas. En tout cas, oh, c'est parce que c'est une style. Si c'était une personne lambda, je pense qu'il n'allait rien dire. Comme il voit un peu les dos là, il faut qu'il profite, mon frère. Hé! It, apparemment, on dit que la fille est de Foumban, mais vivait à Douala avec ses parents et que son départ pour la Belgique était prévu pour aujourd'hui. Hey, si c'est vraiment vrai, oh, maman, l'espoir d'une famille. Massa! En tout cas, plusieurs pensent qu'on a seulement vendu la gola. Bref, que Ténor l'a fait passer de l'autre côté pour des crimes rituels et tout, car ils ne comprennent pas pourquoi, c'est juste elle qui est morte en fait. Moi, je pense que c'est un accident comme les autres. Et ça dépend aussi de quel côté la fille était assise. Donc, beaucoup de paramètres entrent en jeu. On va maintenant faire comme si les accidents n'existaient plus haut. Ha! Tout c'est le femme là. En tout cas, que le pâté la fasse les rites et on verra si c'est le cas ou pas.
Maman, depuis on attend un poste de Enis Zenon par rapport, car comme vous connaissez tous, elle s'affichait avec lui depuis un temps, avec Tenor bien sûr, et elle avait dit récemment qu'ils ne sont plus ensemble. Mais pour un ex, on attendait une réaction de sa part en fait. Fassa ne dit rien depuis là-haut. Ça veut dire qu'après l'amour, c'est seulement la guerre. Ou Tenor lui a vraiment fait ça dur, Massa. En tout cas, attendons d'abord un peu avant de tirer des conclusions. Maman, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ceci. Si c'est vraiment genre, si c'est qu'on a seulement vendu Erika, ou bien, et aussi la leçon qu'on doit retenir, c'est que maman, si le concert est fini, rentrez chez vous. Les gens disent que, wow, elle peut-être fait quoi avec la star, machin, machin, pourquoi elle s'est laissée que la star la raccompagne pendant que d'autres sont rentrés normalement. Bon, elle est seulement fan, moi je me dis qu'elle est seulement fan, le fait qu'elle soit fan, si peut-être Tenor proposait, c'est dit, bon, pourquoi pas. Et bon, je pense que Tenor a seulement eu la poisse, et aussi elle a aussi eu la poisse, que ce soit juste elle, parce que pourquoi est-ce que les autres ne sont pas mortes, ou bien c'est qu'elle était les lui, je ne sais pas, c'était vraiment peut-être son jour en fait. Donc tout peut arriver en fait. Donc en tout cas, la fessée est vraiment bizarre. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et l'essentiel c'est aussi que, bon, osons que tout le monde n'est pas mort quoi, qu'il y a eu des survivants, et c'est vraiment l'essentiel quoi. Donc que plusieurs personnes tirent aussi leurs oreilles, qu'ils écoutent aussi. Si c'est que ils sont venus avec leurs amis, qu'ils rentrent avec leurs amis, qu'ils ne partent plus déjà à rentrer avec d'autres personnes parce que wow, c'est leur star, machin, machin. En tout cas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je vous attends vraiment en commentaire. Maman le Japapsino, hey, c'est tellement triste. On se retrouve à la prochaine pour un futur Japap. Excusez de ma caméra, mon téléphone a éteint. Ah. Ça, c'est nickel. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Comme tantôt, il était en train de vous dire de tuer ce nombre de trois, quand on a vu la scène se passer. Bon, on a essayé de chercher à la sauver d'abord, parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout. Avant, il y a les matériels qu'on sort. Ma part a sorti le chauffeur, il a fait sortir le banflanc. Et là, en question, après, elle aussi a essayé de lui faire sortir. Elle était assise derrière. Mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, il banflait le chauffeur, mais Dieu merci. Et ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les brouilles, cassés, tirés de la Quintini. Et le chauffeur, il quoi? Le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Tenor, il a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok, ok. Allez, bon, là, voilà la voiture de Tenor qui a eu un choc au carrefour Bessinguet tout à l'heure, là. Donc, effectivement, c'est une Mercedes. Donc, ça a brûlé complètement. Toute la Mercedes a brûlé complètement. Donc, voilà. Voilà.